Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, un tout nouveau rituel d'amour. Et ce rituel, c'est de mettre le seulement dans la cannelle et il, elle, sera fou d'amour. Donc, et ça, c'est 24 heures, on va dire. C'est un rituel qui est assez rapide. Oups, je prends mes lunettes. Qui est assez rapide, assez puissant aussi. Donc, eh bien, on va démarrer. N'oubliez pas évidemment que si vous voulez des rituels personnalisés, commandez des rituels personnalisés, vous me contactez sur cet email ou sur ce WhatsApp. M'envoyez un WhatsApp, un message, pas d'appel s'il vous plaît, souvent je suis occupée et c'est un peu gênant. Ah, il y a un avion qui passe, on va attendre un peu, ou un hélicoptère, je ne sais pas. Je crois que c'est un hélicoptère. Il y en a pas mal, hein, qui passe. J'espère qu'il ne va pas repasser, parce qu'en général, il passe plusieurs fois. Bon, c'est bon. Allez, casse-toi. Bon, alors, sinon aussi, vous pouvez vous procurer les livres sur Amazon. N'oubliez pas, je vous montre. Donc, vous tapez Faraké, et vous verrez, vous tapez Faraké livre sur Google, vous tomberez sur Amazon. Donc, comment sortir d'une relation toxique en 21 jours et éviter de replonger. Comment, voilà, j'avais dit, il repasse. Bon, je ne sais pas si ça s'entend. Comment devenir une femme fatale en 21 jours et le rendre fou amoureux. Ce sont des livres de coaching. Il y a aussi, oh, ils sont chiants ces hélicoptères, la loi de l'attraction et les trois livres de rituels exclusifs que vous ne trouverez pas sur YouTube. Donc, je vous explique avec des photos. Oups, alors oui, voilà, avec des photos, des. Voilà. On va démarrer. Qu'est-ce qu'il nous faudra pour ce rituel? Il nous faudra deux papiers blancs. Alors, je vais le couper en deux. Il nous faudra un bic. Il nous faudra un verre avec de l'eau. Voilà. Et il nous faudra de la cannelle. Voilà. Alors, on va enlever ça. Première des choses, on va couper en deux ce papier. J'espère qu'il n'est pas trop petit quand même. Je pense que ça devrait aller. Voilà. Et on va couper les bords. Et on va couper les bords des deux. Comme ça, c'est fait. Il n'y a pas d'oubli. Voilà. Très petit le papier, mais bon. On va couper l'autre bord comme ça, c'est fait. Et il est prêt dès qu'on fait le rituel. Et voilà. Donc c'est parfait. Comme ceci, on a les deux papiers. Alors, sur le premier, on va écrire le nom et le prénom de la personne et mettre son signe astrologique. Essayez de l'avoir. Astrologique. Zut, j'ai pas assez de place. Enfin, voilà. Donc, vous mettez le prénom de la personne, nom, prénom et le signe astrologique. Sur l'autre papier, la même chose, mais votre prénom, votre nom et prénom et bien sûr votre signe astrologique comme ceci. Donc vous allez avoir les deux papiers. Donc je les taille bien. Premier papier avec votre nom, avec son nom et son prénom et le signe astrologique. Le deuxième papier, votre nom et votre prénom, oups, et votre signe astrologique. Ensuite, vous allez prendre les papiers et les mettre, donc votre nom et votre prénom, comme ceci. D'accord? Donc ici, c'est ici qu'on a. Et vous allez frotter les papiers, voilà, l'un contre l'autre. Et vous allez attendre quand ça commence à chauffer. C'est hyper important pour ce rituel-là. Il faut vraiment mettre votre énergie et il faut que ça chauffe. Donc, quand vous sentez que ça commence à chauffer, continuez
Qu'est-ce que ça chauffe un tout petit peu plus? Vous allez sentir si vous êtes vraiment dans l'instant présent, dans votre corps, vous allez sentir là, ça chauffe un peu plus. Là, on peut arrêter et on va mettre de la cannelle sur les deux papiers. Un peu de cannelle. Voilà. Comme ceci. Alors, je vais le montrer sans que ça tombe. Et vous allez frotter sur les deux papiers où il y a votre prénom, votre nom, votre signe astrologique. Vous frottez. Et sur son prénom, son nom et son signe astrologique. Voilà. Ensuite, vous faites un peu ça, et vous allez voir qu'il y a donc la cannelle qui est restée, de la poudre de cannelle. Je pense que vous le voyez. Voilà. Alors, ensuite, on va reprendre les papiers. Donc, toujours avec les deux noms, comme ceci, et refrotter. Donc, c'est pareil. Vous frottez. Évidemment, vous visualisez que voilà, la personne est vous. Comme si c'était déjà fait. Vous frottez. Et quand vous sentez que ça chauffe un peu plus, là, vous arrêtez. Ensuite, vous allez prendre les deux papiers comme ceci et les mettre comme ceci. Toujours comme vous avez frotté. Et enrouler comme ceci les papiers. Faire comme un petit tube de cigarette, là, vous savez. Voilà. Comme ceci. Alors, ensuite, vous allez dire, donc c'est hyper important. Alors, en trempant la moitié du petit cigare, la moitié seulement, vous allez dire. Et en tenant le verre avec la main, en gardant ceci, vous voyez, je le fais ici. Dans ton esprit et ton cœur, je suis. Dans ton esprit et ton cœur, je vis. Vous dites son nom et son prénom. Pour qu'ensemble, nous soyons toujours heureux, comme on l'était au début, c'est un fait. Et vous allez dire ça 7 fois. Donc on recommence. Dans ton esprit et ton cœur, je suis. Dans ton esprit et ton cœur, je vis. Le nom et le prénom de la personne, pour qu'ensemble, nous soyons heureux comme on l'était au début, c'est un fait. Et quand vous l'avez fait 7 fois, vous allez voir, le papier va être très mouillé, vous le laissez tomber dans le verre et vous appuyez, comme ça, il va mouiller totalement le papier. Ensuite, vous allez rajouter un peu de cannelle, voilà. Et vous allez mettre cette potion 7 jours et 7 nuits dans un endroit sombre. La chambre, c'est toujours mieux, où personne ne va le toucher. Après ces 7 jours et 7 nuits, vous le jetez dans les toilettes. Et voilà, le rituel est terminé. Donc, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si vous voulez commander des rituels, si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires sous la vidéo. Il y a des liens aussi sous la vidéo dans la description. Abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve pour une prochaine vidéo.